Salut tout le monde, on se retrouve pour 2 heures là de pêche, très courte. Et on est toujours en automne, les feuilles tombent, on verra ce que ça donne. Je viens de placer les cannes là, donc toujours avec mes pop-up Hot Demon là. J'en ai acheté des nouvelles là, les bicolores blanches et roses. Bon, je sais pas pourquoi elles sentent beaucoup moins que celles de couleur orangée là. Donc du coup, j'ai acheté un petit boost là, qui ressemble à un petit flacon d'huile essentielle. J'en ai mis dans la boîte, et là vraiment maintenant ça sent très fort. Donc on va voir ce que ça donne. On se repense, il y a du poisson comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Commune. Les poissons, au bout de 10 minutes, une superbe commune de 11 kilos. Super poisson. Allez, on la remet à l'eau et on essaie d'en faire une autre. Voilà, une super pupuse de 11 kilos là, avec donc du coup les pop-up Hot Demon là, comme je vous disais, en bicolore blanche et rose. Moi j'avais mis une blanche et que j'avais surdosé parce que sinon je trouvais qu'elle sentait pas beaucoup comparé aux autres. Donc voilà, je voulais aussi vous présenter une astuce que m'a donné mon revendeur là. Parce que en fait à chaque fois je pète mes manches d'épuisette. Là j'en suis déjà au troisième. Et là du coup il m'a donné une astuce. J'ai testé. Bon, c'est le premier poisson que je fais avec, donc il n'y a pas beaucoup de recul, mais enfin, je sentais vraiment que c'était plus costaud en main, etc. Il m'a donné l'astuce de prendre plutôt qu'un manche d'épuisette un mat tempête pour tente. Et c'est vrai que on sent qu'on a vraiment quelque chose de plus solide entre les mains, où on peut quand même forcer un peu plus pour lever. Et bon, là pour l'instant, premier poisson, mais je suis pas déçu, je suis vraiment content de cette rigidité qu'on ressent dans le manche. Donc petite astuce, si vous jamais vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes avec vos manches d'épuisette, bah, essayez ça et puis vous verrez, ça marche très 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 bien. Merci à lui pour l'astuce. Donc là, on peut régler aussi donc la longueur du coup.
Donc c'est aussi appréciable. Et puis si jamais, comme il me disait, si jamais pour maintenir le poisson, on peut le planter dans la berge avec le poisson dedans, quelquefois pour attendre le temps de relancer sa canne. C'est ce qu'il fait lui. Bon voilà, ce petit coup de pêche se termine. Bon bah une belle commune là, de 11 kilos, donc ça fait plaisir. Un seul poisson, mais bon, je suis resté 2 heures là, faut que je plie. Puis en plus, bon, il y avait le cormoran qui tournait, qui plongeait de partout, et puis il y a eu des pêcheurs allemands, donc ça n'a pas facilité la pêche, on va dire. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une nouvelle session. Salut!